Good morgen, Aleiden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Richard Aaron Ben Fortuné Mazal, Claude Israq Ben Fortuné Mazal, Eliaou Vanish et Lili Rachel Bat Asher. Si vous souhaitez aussi d'ailleurs une prochaine étude, Michel, contactez la communauté éternelle. Nous étudions Maserhat Shkalim, Perek He, Mishnah Bet. Maase Bekoen Echad, Shaya Mit Asek, Veraa Haritzpa, Shei Mishuna Michavrotea, Bave Amar la Chavero, Velo Ispik Ligmor et Adavar, Achi Atzta Nishmato. On avait vu dans la Mishnah précédente qu'il y avait, on avait parlé de 13 shofarot, 13 tables, 13 ishtachavayot, et on avait mentionné au passage, on va ensuite redétailler chaque détail, d'accord, chaque cas, mais on avait au passage évoqué que parmi les 13 13 endroits où on se prosternait au Beth Amikdash, il y avait certaines familles qui avaient une transmission chez eux, qu'il fallait se prosterner une 14e fois dans un endroit à côté du Dir Haetzim, de la chambre de stockage des bois du Beth Amikdash. Pour le Mizbeach, il fallait stocker des bois, il fallait des bois, et il y avait, j'expliquerai un petit peu plus après, mais en tout cas, donc on avait besoin de bois, à l'endroit là-bas où on stockait les bois, il y avait une massorette. C'était de Rabban Gamliel et de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, où ils se prosternaient même là-bas, parce qu'ils savaient que le Aaron, l'arche des Luchot, les Luchot Abrit, elles étaient enterrées là-bas. Avant de partir en Galout, plutôt même, c'était Yoshia Meller, qui avait un. Comme il avait compris qu'à Israël, bientôt que le Beth Amikdash allait être détruit et qu'ils allaient partir en exil, il n'a pas voulu que les goyim puissent porter atteinte au Aaron Abrit, l'arche où il y avait le Aaron, et donc il l'a enterré là-bas. D'accord? Il l'a enterré là-bas dans un endroit spécial au Beth Amikdash. Et suite à ça, maintenant la Mishnah va nous raconter une anecdote où ça s'est fait connaître que réellement c'était un endroit, il y avait autour là-bas du Beth Amikdash, qu'il y avait réellement le Aaron qui était enterré là-bas. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait Maase Bekoen Echad Shaya Mitasek. Il y avait un Kohen qui était en train de travailler. Qu'est-ce qu'il avait travaillé dans le Dir Haetzim? Le Dir Haetzim, il y avait pour monter sur le Mizbeach, il fallait un bois qui n'a aucun verre. Du coup, c'est pas avoir ça qu'il y avait le fait de Tou B'Av, par exemple. À Tou B'Av, on arrêtait de ramasser des bois, de récolter des bois pour le Beth Amikdash, parce que les bois ils commençaient à être un peu plus humides, donc plus de risque de verre en l'occurrence. En tout cas, chaque bois qu'ils devaient monter sur le Beth Amikdash, il était d'abord bien vérifié, passé à la loupe, qu'il n'y ait pas de verre dessus. Et on donnait ça comme travail à faire pour les Kohanim qui étaient des balais moumines, ceux qui avaient des défauts qui ne pouvaient pas de toute façon faire la voie de Beth Amikdash. On leur donnait ça comme travail et puis ils pouvaient venir ensuite manger les corbanos de la journée. Donc il y avait un des Kohanim qui était là-bas, Shaya Mitasek, Veraa Aritzpa, Shei Meshona Mechavrotea. Et pendant qu'il travaillait, il a constaté qu'il y avait par terre une dalle, on va dire, une pierre du sol qui n'était pas bien alignée par rapport aux autres, comme si qu'elle avait été retirée et remise. Du coup, ça l'intriguait, il a commencé à l'ouvrir, le pauvre. Bave Amar la Chavro, il est parti, il a commencé à lui raconter, tu sais qu'il y a ici, hein. Il a commencé à parler, et lo hispik ligmor et adavar, il n'a pas eu le temps de finir sa phrase, Hachi Yatzta Nishmato, jusqu'à qu'il en est mort tout de suite. Il a été foudroyé du ciel, quoi. Il en est mort, pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas qu'il dévoile le secret, on ne voulait pas que ça se fasse savoir que maintenant il y a une pierre qui était différente. Et que, c'est étonnant d'ailleurs, parce que une pierre, tout le monde pouvait constater qu'il y avait une pierre différente. En tout cas, il n'a pas eu le temps de finir sa phrase, jusqu'à qu'il en est mort. On l'a mis à Shamaïm, on l'a supprimé avant qu'il parle. Veyadehu beyichud shesham aaron nignaz. Et du coup, ça a juste renforcé la croyance, la conviction, qu'il y avait effectivement que l'aaron qui était enterré à cet endroit-là. C'est-à-dire... D'accord, vous avez compris l'histoire, c'est très simple quoi. Il y a un Cohen qui a constaté qu'il y avait un problème dans le sol, que le sol n'était pas bien aligné, il avait remarqué qu'il y avait une pierre qui était bizarre. Dès qu'elle a voulu commencer à en parler, tout de suite, Mina Shamaim, il en est mort. Comme ça, il ne puisse plus parler. Il y a maintenant, on a encore une petite minute, donc chronologiquement, il y avait. C'est un sujet, une histoire que je connaissais quand même depuis longtemps, mais qui m'a toujours intrigué parce que j'ai un problème de chronologie. Et là, j'ai un tout-sociologue qui me fait de l'ordre, donc du coup, c'est super, je vous fais part de la découverte. Il faut bien comprendre. Il y a eu deux fois le Beth Amikdash, Beit Rishon et Beit Sheni. Beit Rishon, c'est avec tous les rois, la Malchut de Beth David, jusqu'à qu'ils sont tous partis ensuite en exil, Malchut jusqu'à Melech Yechonia,
Comme ce qu'on verra dans la prochaine Mishnah, on l'évoquera d'ailleurs, il y avait Shaar Yechonia qui était appelé à son nom. Ils sont partis en exil pendant 70 ans, ils sont revenus ensuite. Ils sont venus, ils ont construit le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, elle avait été détruite. Et du coup, d'accord, elle a été détruite, puis après elle a été reconstruite. J'avais un problème qui me dérangeait, c'était l'histoire de... Comment il pouvait y avoir une pierre depuis l'époque du Beit Rishon qui était restée par terre ici, étant donné qu'en fait, je connaissais cette connaissance-là, mais je l'avais mal située. Ou quand ils ont détruit le Beth Amikdash, ils avaient labouré toute la ville. Donc il ne restait plus rien. Donc c'est quoi cette histoire de pierre qui reste? En réalité, c'est une erreur. De ce genre de toi, il me corrige, que l'histoire que la ville, que tout Yerushalayim a été labouré. Deuxième réponse, il propose deux réponses. La première réponse, c'est que c'est la ville qui a été labourée, mais pas le Beth Amikdash. Mais deuxième réponse, c'est d'expliquer que même le Beth Amikdash était labouré, mais c'était au Beit Sheni. C'était avec l'histoire avec Tournosrofou, Saracha, qui était donc les Romains, c'est le deuxième Beth Amikdash. Après le deuxième Beth Amikdash, Bémet, il a été tout rasé, le Beth Amikdash. Mais pendant du Beit Rishon au Beit Sheni, c'est vrai qu'il a été détruit. La Gemara dans Zerchim raconte qu'il ne trouvait plus l'endroit du Mizbeach. Il y a toute une histoire, comment ils ont trouvé l'endroit du Mizbeach. C'est vrai. Mais malgré tout, ils n'ont pas tout rasé au point où on ne pouvait plus reconnaître. Le sol, il devait rester, il était sûrement resté le même. Et en l'occurrence, il n'y a aucune contradiction avec le fait qu'il avait vu qu'il y avait une pierre qui faisait défaut, qui n'était pas alignée avec les autres. Parce que réellement, ces pierres n'avaient pas été touchées depuis le Beit Rishon. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. Matzlacha, comme tout ça.